Oh, j'ai une pêche, C'est de la merde. Alex et Fab sur manency.com. Manency. Vous avez fait caca. Salut Alex. Salut Fab. Ça va. Bienvenue sur manency.com. On n'est plus sur Dynamite. Et non, maintenant nous volons de nos propres ailes. D'accord. D'ailleurs, tu sais ce que c'est toi, Manency? D'accord. Eh bien, comment je pourrais te dire ça? En fait, c'est une association de gens heureux mettant le bonheur à disposition de qui veut le prendre. C'est beau, tu sors ça de ton trou de balle? Pardon? C'est beau, tu sors ça d'un livre de Stendhal? Ah, non, tiens d'ailleurs, je suis tombé sur Stendhal en examen du colon. Pardon? Un examen de littérature. Ah oui, je préfère. D'ailleurs, tiens, je me souviens ce jour-là, j'avais de ces maux de ventre. Ça faisait plein de bruit, je savais pas quoi faire. C'était horrible. Mise en situation! Bon alors, faut ranger tous votre portable et je ne veux plus rien entendre. Surtout vous, Julien, là-bas. Hein. Oui. Et toi? C'est passé. Merci. Vous avez 2 heures. Oh là là. Oh, j'ai mal. J'aurais jamais dû manger ce chili con carne hier. Ça va, Fabrice? Julien, c'est sur votre copie que ça se passe. Non, mais en fait. Eh ben, ne faites pas oui. Non. Regardez votre copie. Ah ouais, mon pauvre, et c'était dur? Bah ouais, c'était un peu gênant, surtout tout le monde me regardait. Non, je veux dire, c'était dur ou mou? C'était dur. Enfin plutôt liquide. Bon, tu sais, femme, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 3 solutions pour te sortir de ce genre de situation. Mais ces 3 solutions peuvent aussi servir à vous qui nous écoutez, car ça arrive à tout le monde. La première possibilité pour te sortir de ce genre de situation, femme, est de camoufler ce bruit, de type intestinal, par un autre bruit, comme du papier froissé, une chaise qui grince, ou même chanter une chanson, femme. Un peu comme ça. Ouais, bon, un peu moins peut-être. Deuxième solution, c'est de détourner l'attention sur une autre personne. Eh, hey, regardez, Brigitte, elle est moche. Ha, en plus, elle est grosse. Troisième et dernière solution, Fab, tu tentes le tout pour le tout et tu libères un léger gaz en espérant qu'il passe inaperçu. Bah, merci, Alex. Bah, je t'en prie, femme. D'où Jésus. Oh, mais t'as le cul maudit, mon pauvre. Oh, je suis désolé. C'est pas grave. À tout bientôt, j'ai envie de te dire, Fabrice. Rendez-vous à une prochaine fois. Bah, j'espère. Et on peut se quitter sur une petite touche musicale? Allons-y. Allez. La Californie se dort près de la mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et...